Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Et c'est Hervé Batou qui va vous accompagner pour le meilleur et pour le pire. On va s'intéresser à une rencontre de championnat. Les spectateurs sont chauds bouillants et il y a des points à prendre, de la motivation. On devrait se régaler. Vous avez certainement hâte que le match commence. Moi aussi, pour tout vous dire. Mohamed Salah, qui a vraiment explosé ces dernières années. Ça faisait longtemps que l'Égypte n'avait pas eu un footballeur de ce niveau. L'équipe à domicile, dont voici la composition. On a affaire à un 4-4-2 en losange ou en diamant, comme disent les Anglais. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. Dans les buts, on va retrouver Edouard Mendy. Idrissa Gueye sera associé à Tchékou Kouyaté au milieu de terrain. Et voici pour finir les deux attaquants que l'entraîneur a retenus. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Tacle. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Il a démarré un petit peu vite. Franck Fabra. Ouais, faute, l'arbitre qui doit déjà intervenir. La passe est coupée et bien défendue. Amené. Franck Fabra. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Voilà. Idrissa Gueye. Bai Nyang. Ismaïl Assar. Et ça va peut-être mériter un rouge. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ça n'a pas profité, on vient à la faute. Ismaïl Assar. Allez, il est passé par-dessus. Allez, il progresse bien là. Bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Il y a du monde dans la surface. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Comme Pozzano. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Keita Baldé, Idrissa Gueye. On est à l'interception. Ouais,
Sisquiardos. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. La voie est libre pour Sadio Mané. Diallo. Ouais, il a le temps de centrer. Keita Baldé. Nini. Il avait vu venir. Idrissa Gueye. Mané. Au centre de Sadio Mané. Ah, mauvais dégagement là. Attention. Attention. Incroyable le but à 10 contre 11. À 10 contre 11, ils ouvrent le score. C'est un coup de tonnerre. On voit cette séquence qui amène ce but, ce dégagement raté. Ah, c'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Keita Baldé. Keita Baldé Diao. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Ah, il est bien parti ce corner. Premier sur ce corner. Ismaïla Assar. Le centre au premier poteau. Le centre capté sans aucun problème. Marcos Rojo. Franck Fabra. Mohamed. Oh, il était temps d'intervenir là. Ce ballon qui est dégagé par le gardien. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Keita Baldé. Ismaïla Assar. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et la faute est sifflée par l'arbitre, bien sûr. Et c'était une vraie occasion de but. Elle peut lui coûter cher cette intervention. Salah. Idrissa Gueye. Idrissa Gueye. Sadio Mané. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle et qui va le prendre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Un long ballon, loin devant. Ouais, l'arbitre qui a préféré arrêter le jeu, il a vu que il y avait quand même quelqu'un de touché sérieusement. Ça va être une balle à terre. Christian Pavone. Attention, il y a un peu d'espace devant lui.
corner, c'est un ballon d'égalisation. Écoutez les supporters hein, qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et c'est le but, c'est l'égalisation, les voilà qui reviennent dans la course. Et ce magnifique enchaînement, une touche de balle, ça allait très vite. Ensuite il reste bien debout malgré la pression de la défense. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ismail Assar, Youssouf Sabali, Mai Nyang. L'arbitre avait compté une minute de temps additionnel seulement. Un petit peu d'espace devant lui. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Un équilibre parfait à la pause, un partout après ses 45 premières minutes. Voilà, c'est reparti. Diallo. Idriss Agueil. Mai Nyang. Gana maintenant. Alors, le centre peut-être dans l'axe. Idriss Agueil. Cette attaque qui va en rester là. Keita Baldé. Et le but! Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique! Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Campuzano. Franck Fabra. Bien circuler le ballon, ils sont patients. Mohamed, est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ennemi, ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Des mouvements, on va de la touche. Il est toujours en possession du ballon, il poursuit son action. Et il va tomber, non, il se rattrape. Il est solide. Ennemi. Excellente intervention défensive. Le ballon perdu. Un petit peu bêtement par Sadio Mané. Il s'est ouvert le chemin du but. Et le but de Sadio Mané. Le Sénégal qui frappe une fois de plus. Ouais, il était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Ennemi. On s'approche du but adverse. Sam Pallon. Ils reviennent dans le match. C'est peut-être le but de la révolte. On voit ce but qui arrive pratiquement dans la foulée du précédent. Et 3 buts à 2 au score. Quel match! On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. La passe est interceptée. Diallo. Va-t-il parvenir à centrer? Ah,
Attention, Sadio Mané dans la surface. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Mohamed. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Carlos Izquierdos. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Salah. Oh, c'est repoussé par le bon temps. Gueye. Ismail Assar. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ça n'ira pas plus loin. Ah oui, la bonne passe. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Les occasions sont rares dans le jeu. Alors le public se met à y croire sur ce type d'action et ce corner en fait partie. Il est bien parti, ce corner de Salah. Ah, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Allez, pour revenir à un but. Oh, quel dommage. Quel dommage. Dommage, c'était l'occasion de réduire le score. Ça ne dit rien de bon pour cette équipe qui est donc menée toujours. L'entraîneur qui va faire un double changement. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, c'est une belle abnégation hein, chez ce joueur qui a fait l'effort. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Il porte le ballon. Ah, excellent. La frappe. Oh, la frappe était soudaine, elle était sèche. Et le gardien sur la trajectoire. Si c'est. Maignang. On s'approche de la zone de vérité. Allez, ça peut-être. Ah oui, le tir. Oh oui! Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Donc on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et ça gagne. Et il gagne quelques mètres. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Mbanyang. Les deux Koulibaly. Gagnant maintenant. Ce sera une sortie de but. L'équipe n'a tout simplement pas existé aujourd'hui. Hein, avec une grosse faillite en défense notamment. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Il poursuit son action personnelle. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Maignang. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon?
il peut le mettre. Oh, super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Eduardo Salvio. Et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle.